un peu trop naturel. Mais en tout cas, le peu que je montre, bah, c'est moi, je suis comme ça. Maintenant que t'aimes, t'aimes pas, c'est vraiment pas le problème. Je suis contente quand on me fait un commentaire fondé. Je t'aime pas parce que si, ça. Mais c'est le jeu, c'est pas grave. Même, ça peut même. Je peux m'améliorer carrément. Mais quand c'est parce que. J'ai même pas de mots. Vous a embobiné, c'est. Ouais, c'est. Je sais même pas. En fait, j'ai pas envie d'être vulgaire et j'ai pas envie de donner du crédit à ça et j'ai pas envie de donner de l'importance. Bref, la base de tout ça, c'est pour vous parler vraiment du harcèlement. Parce que ça peut avoir des conséquences très graves. Ne vous en réjouissez pas. Que vous choisissez votre camp et tout, c'est normal, c'est comme ça. Moi-même, avant, j'étais en mode ah, caca. J'ai pu en rigoler comme. Sauf quand ça va trop loin. Moi, je suis une femme, je suis une mère de famille. Calme. Ouais, tout ça pour dire qu'en gros, il y a des limites à avoir. Dans la vie, il y a des limites. Quand t'es dans la vie, la vraie vie, t'as des limites. Dans la rue, t'as des limites. Je comprends pas que sur les réseaux, il n'y a pas de limites. Il y a zéro limite. Et c'est ça qui me. C'est la seule chose aujourd'hui qui me. Je me dis vraiment, c'est dégueulasse en fait. Parce que c'est pas. Si je me fais. Demain, je me fais insulter dans la rue, je vais au commissariat, la personne, ils vont la rechercher et tout, tout, tout. Là, je me fais insulter tous les jours. À la vue de tous, il se passe rien. Je comprends pas. Je comprends pas. Et c'est ça qu'il faut que qu'il change, quoi. Parce que c'est pas normal. Et sachez bien quand je vous parle, imaginez-vous, un seul instant, vous m'aimez pas, il n'y a pas de problème. Je vous connais pas, j'ai pas. Moi aussi, je vous aime pas. La plupart que je vous parle, je vous connais pas. Je m'en fous. Ça peut être votre mère, votre sœur, je suis la mère de quelqu'un, je suis la fille de quelqu'un. Tu vois? C'est ça qu'il faut se dire. C'est que il y a un moment, faut calmer, en fait. Tranquille. Ou soit on règle vraiment les choses. Bref, c'est pas mon habitude de faire des stories, de parler. J'aime pas faire des stories avec 36 000 points comme les fous là. J'espère qu'il n'y a pas trop de points, j'ai pas regardé dans ma story. En tout cas, juste je voulais sensibiliser par rapport à ça, m'exprimer une bonne fois pour toutes. Je parle jamais, je reparlerai certainement pas parce que c'est pas ma came. Je suis pas dans ça, je m'en fous. Moi, je montre ce que j'ai à montrer, ce que envie de montrer, je kiffe ma vie, tu m'aimes, tu m'aimes pas, tu m'insultes, y a pas de problème et tout. Le harcèlement, c'est un autre délire en fait. C'est un acharnement gratuit, quotidien. Et en plus, y a même pas, j'ai pas, je préfère que tu viennes en fait, viens. Viens, en fait, c'est ça le vrai truc. C'est que, vas-y, c'est trop facile. En fait, c'est trop facile, ça rend ouf. Ça rend ouf. Et vous tous, les mini-harceleurs là, y a jamais personne qui est venu dans la. Bref, je vais m'arrêter là. Demain, je me lève tôt. Juste pour vous dire, voilà, à l'heure où l'harcèlement il est dénoncé, dans l'harcèlement au travail, l'harcèlement dans la rue, l'harcèlement des femmes, patati, les féminines.